Allez, Chalivert. Montre au peuple qui tu es. C'est live. Hey. Chalivert. Bonjour. Bonjour. Non, maman, attendez. Désolé. Parce que c'est une affaire de masque à Montréal. Bonjour. L'heure est grave, les amis, l'heure est grave. Mais avant de commencer, je vais me détendre, je vais vous raconter une histoire, d'accord? D'accord. C'est l'histoire entre la croyance et la connaissance. Je crois en Dieu ou je connais Dieu. Une fois, il y avait un monsieur très riche. Uh-huh. Avant de dormir, il fallait qu'il prenne un verre de lait. Uh-huh. Il fait que... il avait un servant pour lui servir son lait avant de se coucher, son verre de lait, ok? Okay. Fait que, il avait l'impression que son servant, son serviteur, il buvait un peu dans son lait. Fait qu'il n'était pas satisfait. Fait qu'il engageait un deuxième servant pour vérifier que le premier servant, il n'allait pas boire son lait. Ouais. Fait que le deuxième, j'ai raccourci. Le deuxième servant, là, il a dit au premier, je sais que tu bois le lait du patron. Fait que, on partage. Un quart et puis la moitié au patron. Le lendemain matin, le patron s'est réveillé et puis s'est rendu compte que le lait avait diminué. Ouais. Il avait des doutes, il a engagé un troisième servant pour surveiller le deuxième servant qui suivait le premier servant. Ouais. Parce qu'il avait des doutes, c'est quand on croit, on a tous des doutes, bref. Ouais. Ensuite, il se réveille le matin, il voit que le lait a encore plus diminué. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Bon, il a engagé un quatrième servant encore pour checker tout le monde. Dans le quatrième servant, il est venu. Il a dit, bon, guys, vous êtes trois là, je sais que vous buvez le lait là. Uh-huh. Fait qu'on va s'arranger. Chacun, moi je prends un quart, chacun prend un quart. Et puis les autres ont dit, mais s'il n'y a pas de lait, le patron va s'en rendre compte. Il dit, laissez-moi m'en occuper. Fait que le lendemain matin encore, de ce jour là, le patron se réveille, il dit, non, cette fois-ci là, vous m'avez crossé, j'ai pas eu mon lait. Et... qu'est-ce que le quatrième servant avait fait quand le patron dormait? Il avait pris, tu sais, le lait en haut, là, le lait, quand tu as la crème en haut du lait, il a pris ce lait et il a mis sur la bouche. Et quand le patron s'est réveillé, il a dit, mais check ça. Il dit, j'ai pas eu de lait. Il dit, je vous suggère d'aller regarder dans le miroir. Fait que le patron, il était perturbé. Il sait pertinemment qu'il n'a pas eu de lait, mais à cause des doutes. Bon, ça, c'était pour vous détendre. L'histoire du masque. Lundi, je suis allé à Jean Coutu. C'est en rapport avec mon bâton de Moïse. Comme par hasard, j'ai vu le policier qui m'avait dit que son superviseur a décidé de bloquer mon bâton. Jean Coutu a appelé parce que je n'avais pas de masque. Quand ils sont arrivés, ça c'était lundi. Quand ils sont arrivés, ok, les deux policiers, je dis, écoutez, moi j'ai des conditions médicales et puis est-ce que... j'ai écouté le chef de la police la semaine passée qui disait qu'il attendait le décret ministériel pour permettre à la police de pouvoir agir. Intervenu auprès des usagers qui ne respectent pas ce décret-là. Mais on ne sait pas si le décret arrive. Donc moi, j'ai demandé aux policiers, je dis, moi, je me renseigne, je suis au jour le jour. Est-ce que vous avez le décret? Donnez-moi un numéro de décret, comme ça, j'allais vérifier. Comme ça, parce que nous, on est censé ignorer la loi. Maintenant que je respecte la loi, je vais vérifier. Ils disent, ah, eux-mêmes, ils n'ont pas vérifié. Ils étaient deux policiers saillants, puis du fou. Eux-mêmes, ils n'ont pas eu le temps de vérifier parce qu'eux, ils exécutent les ordres. Eux, ils pensent que c'est vrai. Encore croyance. J'étais fâché, j'étais obligé de mettre mon masque comme ça sur la bouche et puis mon nez là parce que je ne suis pas capable de respirer dans mon masque. Ça c'est pour rigoler un peu parce que je suis humoriste. J'ai décidé d'appeler mon avocat. Je suis allé chez mon avocat d'abord. On m'a dit, ah, il faut ouvrir un autre dossier pour un avocat au civil. J'ai dit, mais écoutez, est-ce qu'un décret abroge une loi? Selon la constitution, les droits des libertés des humains, etc. Tu sais, je me renseignais. Et personne n'avait l'air de bien savoir, personne n'avait l'air d'être très clair. Mais ce qui me fait mal, c'est que ce matin, j'ai été persécuté par je ne sais pas qui. Je ne sais pas si c'est des Illuminati ou je ne sais pas. Illuminati, je ne sais pas qui, mais les bandits en tout cas. Je suis allé dans une école, j'ai vu les enfants ne portent pas de masque et puis les adultes portent des masques en plein air. Il y a une garderie près de chez moi, là, en plein air. Et puis, Dieu m'a expliqué, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Si on se couvre tout le temps, tu dis de suffoquer et puis tu es contaminé. Et puis les enfants qui n'ont pas de masque, évidemment, si tu es très contaminé, tout le monde sera contaminé. C'est ce que j'ai compris. J'ai dit, mais ça, c'est grave. Si on veut attaquer notre vie, qu'est-ce que tu fais?
Si quelqu'un bandit rentre chez toi et veut t'attaquer, tu fais quoi? Il faut qu'on se défende. Moi, je ne sais pas pour les autres. Je ne suis pas en train de faire un appel à une rébellion. Mais je suis juste en train de dire que moi, si tu t'attaques à ma vie, je suis un être humain sur la planète Terre. Quand je suis né, Dieu m'a donné un souffle de vie. Je ne suis pas né avec un masque. Il y a plein de gens qui se disent, que, notamment en France, notamment en Belgique, j'ai vu en Allemagne, il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Et bizarrement, j'ai reçu un message d'un lanceur d'alerte, ils ont déposé un recours pour désavouer le gouvernement. Fait qu'on n'a qu'à arrêter de faire peur aux gens. Moi, je suis à l'aise et à l'âge, je respire de l'air. Quand je porte un masque et on ne me voit pas, je commence à être contaminé, je suis bizarre. Mais ça, c'est la vérité. On n'a qu'à dire la vérité, réveiller les gens. Le peu qui sont réveillés là, on ne va pas payer les pots cassés pour ceux qui dorment. Troisième histoire, aujourd'hui, je rentre dans le bus aux environs de 15h. Le chauffeur du bus, il me connaît. C'était un monsieur qui avait forcément témoigné contre moi, contre Gaëtan Tanguay qu'on avait viré à l'époque. Il m'avait accusé de voie de fer. Le monsieur, il a pris sa retraite anticipée. Puis ses collègues, quand ils me voyaient, ils se moquaient de son ami. Il dit comment dans la société, chacun se moque des gens. Bref, il me dit, mets ton masque ou bien j'appelle la police. J'ai dit, Joe, j'avais ma Bible. Je dis, premièrement, j'ai des conditions de santé. Deuxièmement, ce n'est pas clair sur la loi. Parce qu'il y a entre-temps, mardi hier, aujourd'hui on est quand même écouté, mardi hier, il y a deux agents de la SCM qui étaient intervenus sur moi, dans un bus encore, mais pour une autre raison. Ils m'ont dit, ah, eux, ils n'ont pas la SCM, ils n'ont pas de loi, mais ils peuvent suggérer aux gens de porter le masque. Parce que la SCM n'a pas de pouvoir donner des tickets aux gens. Ça m'a fait me poser des questions. Si la SCM n'a pas le droit de donner des tickets aux gens, c'est qu'au niveau du décret, ce n'est pas clair, ou bien nos gouvernants, ce n'est pas clair. Mais dans tous les cas, ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, là, nous sommes en santé. Bientôt, je fais une vidéo pour donner tous les préventifs pour la grippe, pour le Covid. On n'en a rien à cirer. Moi, tu t'attaques à ma vie, j'ai donné ma vie au Créateur Dieu. Ne t'attaque pas à ma vie. Parce que si tu t'attaques à ma vie, c'est comme si tu t'attaques à Dieu. Je fais ce message, laissez les gens libres. Nous sommes libres. Regarde ici, on est en terrain. Il fait beau, j'ai fait un backflip. Nous sommes libres. Ne fais pas peur aux gens, nous sommes libres. Et même si le Covid existait, mais nos ancêtres, là, ils vivaient comment? Nos ancêtres vivaient comment avec ces maladies? Moi, je pense plus aux enfants. Moi, j'en ai rien à cirer. J'ai déjà presque 50 ans. Mais je pense à nos enfants. Come on, arrêtez, il n'y a plus de vie. Ils veulent nous reconfiner. Dans le métro, tu rentres, tu entends toute la journée. Le port du masque est obligatoire. Et si vous pensez que vous avez le Covid, restez chez vous. Mais c'est quoi cette histoire de Covid? On nous saoule depuis 6 mois. Yo, qu'on arrête. Bonjour. Oh.